Vous en prions, monsieur le maire, sous vos ovations. Chers futurs mariés, mesdames et messieurs, au nom du premier magistrat de la commune de Yokoumon, le ministre d'État, député maire Gilbert Baudet-Kafana, et l'ensemble de son conseil municipal, nous vous souhaitons la bienvenue dans la salle du mariage et que Dieu vous bénisse. Amen. Le maire célébrant du jour est M. Brianda Guanon Alexis. M. Brianda Guanon Alexis est sixième adjoint au maire et officier d'État civil. Monsieur le maire, avec votre permission, nous allons procéder au mariage de M. Gay Timothée avec mademoiselle Thielou Irie Liliane. Et on vous témoigne respectif, M. Zo Didier Jean-Ange et M. Lévi Boli Martin. Monsieur le maire, vous avez la parole pour la lecture du code civil ivoirien. Bonjour à tous. Je nommé Marie Gouraud. Très bien, c'est la première fois que je donne. Okay. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 51, 58, 59, 60 et 65 du code civil relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 51. Les époux s'obligent à la communauté de vie, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 58. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 59. Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de saisir, arrêter et de toucher dans la proportion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Article 60. Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille. Article 67. Enfin, chacun des époux a le droit d'exercer la profession de son choix, à moins qu'il ne soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille. Monsieur Kéhi et mademoiselle Thielou, bienvenue. Choix du régime matrimonial. Monsieur Gay Timothée et mademoiselle Thielou Irie Liliane, voulez-vous nous déclarer si vous occupez le régime de la séparation de la communauté de biens? Nous optons pour le régime de la communauté de biens. J'opte pour le régime de la communauté de biens. Allez, répondez. Sur notre interpellation, les époux ont déclaré opter pour le régime de la communauté de biens. Consentement des époux. Monsieur Gay Timothée, consentez-vous à prendre pour époux mademoiselle Thielou Irie Liliane ici présente? Oui. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Gay Timothée ici présent? Oui. Par le bien du mariage. Yes. Vos réservations, s'il vous plaît. Mignon. Je te porte cette bague pour un témoignage de notre union. Je t'aime très fort. Merci de mon amour et de mon soutien.
Monsieur et Madame Gay, félicitations parce que vous venez de sortir du cercle de célibataire en venant de sceller votre union devant la loi. Ça veut dire que votre union est désormais officielle. Donc vous êtes mis en règle vis-à-vis de la loi. Félicitations. Et donc vous avez traduit les félicitations du député maire et l'ensemble de son conseil. Donc le reste, c'est la partie. Ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'on se marie pour la vie, on ne se marie pas pour divorcer demain. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes venu d'accord pour passer le reste de votre vie ensemble. C'est pour ça que ça soit ici. Félicitations, que Dieu nous accompagne et que vous bénisse à votre amour. Vous avez un mot pour eux? Je suis content du mariage et la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la volonté de Dieu que les hommes puissent se marier et ne pas livrer leur corps à la perversion, puisque lorsque tu deviens croyant, ton corps appartient à Dieu. Il faut seulement vivre selon les principes de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est de bénir leur mariage. Et vraiment que Dieu les multiplie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse-moi chanter ces chansons pour cette belle.
Samedi, ils étaient à la mairie pour officialiser en fait devant les hommes. Ce matin, ils étaient à l'église pour officialiser devant Dieu, devant l'être divin. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer leur amour. Merci encore une fois d'être avec nous. Nous avons plusieurs articulations qui meublent bien sûr cette cérémonie. Mais d'abord, je vais passer le micro à notre prophète pour la prière même de cette cérémonie, pour confier, mesdames, messieurs, le programme entre les mains de Dieu. Et pour cela, je vais tendre le micro au prophète. Merci de mentionner, s'il vous plaît, le prophète, pour la prière. Amen. Je vais donner quelques conseils à tous ceux qui sont là, parce que la Bible dit prêche la parole en tout temps, favorable ou non. Alléluia. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un ce soir. J'ai quelque chose à dire à un homme et à une femme. Romains, le chapitre 12. Que donc faire? Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Apparemment, ce verset n'a rien à voir avec un mariage. Tu vas te dire, mais le mot mariage n'est pas sorti dans ce verset. Effectivement. Amen. La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puisse offrir son corps comme un sacrifice vivant. Amen. Quelqu'un peut poser la question, comment pouvons-nous offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant? Amen. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, bien-aimé, c'est de faire ce que Dieu demande dans sa parole avec son corps. Amen. Et une des choses que Dieu demande dans sa parole, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. C'est une manière d'offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de maladies. Alléluia. On nous parle de VIH-Sida, de MST, grossesse indésirable, avortement passé. Alléluia. Toutes ces choses se font parce que les hommes refusent de confier leur corps comme un sacrifice vivant. Amen. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est de décider de dire aujourd'hui, peu importe ton âge, je vais marcher comme le Seigneur le veut. Alléluia. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, pardon, un
renonce à tout homme qui est à se repentir. Peu importe ce que tu avais dans ta vie aujourd'hui, il y a un temps où tu peux offrir maintenant même. Et le temps là, c'est aujourd'hui, ton corps a Christ. Amen. Bien-aimé, si tout le monde vivait comme Dieu le voulait, les maladies allaient culminer sur la terre. Amen. Des personnes intelligentes, des femmes qui partaient à l'école, elles ont pris des grossesses. Elles ne sont plus parties à l'école parce qu'elles ont été reniées par leurs parents. Offrir son corps comme un sacrifice divin. Choisis de demeurer dans la parole de Dieu. Mais il y a une vie qu'on appelle une vie excellente. C'est la vie en Jésus-Christ. Une des choses que j'ai regrettées, c'est le fait que je n'ai pas vu, connu ou accepté Jésus. Je connais bien ce quartier-là avant de devenir prédicateur dans ce quartier. À mon temps, j'avais les cheveux teints. Amen. Je portais toutes sortes de guignes. Et la rue qui est de l'autre côté là-bas n'avait pas de secret dans ma vie. Mais lorsque j'ai connu Jésus, bien-aimé, j'ai compris qu'il y avait une autre vie qui était meilleure que la vie que je menais. Et toutes les fois que je m'assois, je me dis, mais comment Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi pour le servir? J'ai compris que l'amour de Dieu n'est pas un amour naturel. Parce qu'en grec, il y a beaucoup de types d'amour. Amen. Quelqu'un peut dire, femme, je t'aime. Mais il ne sait pas c'est quel genre d'amour. La fille dit, le monsieur m'a dit, souvent on a des filles pour qui on prie. Elle, le monsieur, elle m'a dit même. Après, elle ne le voit plus. On pose une seule question, on ne prophétise pas. On pose une seule question. Est-ce que tu es sorti avec lui? Oui. J'ai dit, ma fille n'a pas menti. Parce que ce type d'amour-là, c'est l'amour éros. Tu as porté ton ministre, ta vie dedans. Donc, tu as quoi? Il t'a convoité. Le grec dit éros. C'est un type d'amour. Il y a un amour encore qu'on appelle philo ou bien philia. C'est un amour, mon camarade, ma copine, on marche ensemble. Alléluia. Mais l'amour dont je te parle aujourd'hui, c'est l'amour agapao. Alléluia. C'est cet amour-là que Dieu a pour toi. Et Dieu ne veut pas te voir affligé par la maladie, affligé par la pauvreté, bien-aimé, affligé par l'échec. Il dit, offre-moi ton corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Les filles s'habillent mal. Les hommes s'habillent mal. Même pour la nourriture, les gens mangent mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important pour nous dans ce 21e siècle de choisir d'offrir nos corps à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'il est difficile lorsqu'on est jeune de décider de se marier. Ça, c'est la pensée du diable. Et toutes les belles filles qui sont dans le monde, la carte de mariée aujourd'hui. Amen. Mais M. Gay et Mme Gay ont décidé aujourd'hui d'offrir leur corps comme un sacrifice. Laissez-moi faire une parenthèse avant de conseiller M. et Mme Gay. Vous voyez, offrir son corps aussi, c'est savoir s'habiller. Les gens imitent des choses qu'ils ne connaissent pas. L'ignorance est pire que la mort, bien aimé. Parce que quand tu portes ton guide et tu mets ça par derrière, tu as regardé ça dans le film, le monsieur t'a plu, amen. Gloire à Dieu. Mais tu montres quoi, un signe de quoi? D'homosexualité. Une fille qui veut se faire marier. Ton corps, tu dois le vivre, cache des parties. Nous, maman, ça vient mieux avant. Alléluia. Je dis ça à quelqu'un. Amen. Cette année 2020, amen, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice. En regardant ta manière de t'habiller. En regardant ceux qui viennent vers toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et pour terminer, pour le peuple, avant de parler aux mariés, je vais t'amener à accepter Jésus dans ta vie. Si Jésus a pu me changer, alléluia. Avant, m'appelait Zouk Saga. C'était mon surnom. Amen. Si Jésus a pu me changer et attraper le micro devant toi pour te prêcher,
c'est qu'il n'y a personne sur la terre que Jésus ne peut pas changer. Il peut te changer. Peut-être que tes parents échouent, mais je ne crois pas que si tu viens en Christ, tu vas échouer. Alléluia. Jésus peut te changer là où tu es. Amen. Bien-aimés, je vais m'adresser au couple maintenant. J'étais tellement pressé que j'ai oublié de présenter l'église qui reçoit. Amen. Je suis le prophète Ange Didier Zo, amen, de l'église FCF, c'est-à-dire l'église de la cité évangélique de la foi. Le fondateur de cette église, c'est le prophète des nations, Olivier Dawa. Et il vous avait sa bénédiction, c'est mon père spirituel. Et on a une église juste en face de l'hôtel des impôts. Et monsieur et madame Guéhi sont mes fils. Alléluia. C'est pas de métier là. Toutes mes excuses parce que j'ai voulu aller un peu tôt. Amen. Mais c'était pour ton bien. Dis, c'était pour mon bien. Dis, c'était pour mon bien. Monsieur et madame Guéhi, prenez place ici. Il y a des gens qui sont fâchés, hein, c'est ça, non? Tu ne veux pas ouvrir ton corps, là. Amen. Tu veux ouvrir ton corps, non? Alléluia. Acclame le Seigneur pour le couple Guéhi. Alléluia. Nous n'allons pas lire Adam et Ève. Dieu les a chassés d'Éden. Amen. Ton mari peut commencer aujourd'hui, monsieur, madame, votre mari peut commencer aujourd'hui d'un endroit de délice. Les gens vous acclament, alléluia. Ça, c'est à Éden, alléluia. Mais votre mari doit transcender Éden. Parce que ce ne sera pas toujours à Éden que vous allez vivre le mariage. Amen. Éden, belle, délice, plaisir, tout ce qui est bon. Mais ce qui m'a pris dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est que quand Dieu les a cherchés, la Bible n'a pas dit que Adam s'est séparé d'Ève. Ça veut dire que même si votre mariage a commencé à Éden et qu'il s'est terminé en dehors d'Éden, dans un endroit de difficulté, cela ne doit pas être un motif de séparation. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Alléluia. Tous ceux que vous voyez devant vous aujourd'hui partiront. Amen. Mais il y a des choses que vous devez régler à deux. Amen. Et la Bible dit dans Éphésiens le chapitre 5, femme soit soumise à ton mari. Il y a l'autorité civile, il y a trois types d'autorité. L'autorité civile, l'autorité religieuse et l'autorité familiale. Et dans l'autorité familiale, la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Alléluia. Et donc quand la Bible commence à parler au couple, la Bible dit à la femme, toi, sois soumise à ton mari. Et même dans le livre des Proverbes, la Bible dit, vaut mieux habiter à l'un de toi plutôt qu'avec une femme querelleuse. Amen. Ma fille, tu dois être soumise à ton mari. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois être soumise à ton mari et reconnaître ton son autorité sur toi. La Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et les enfants sont sous l'autorité de la famille. Gloire à Dieu. Tu dois être soumise en tout temps à ton mari. Amen. Et tu ne dois pas montrer un caractère de soumission. Amen. Par les querelles. La Bible dit qu'il est mieux d'habiter dans une tête déserte plutôt qu'avec une femme qui aime la querelle, qui est irritable. Tu peux les reconnaître. Parce que tant que nous sommes dans la chair, tu ne peux pas vivre avec une femme qui n'a aucun défaut. C'est pas possible. Amen. Elle aura ses défauts. Mais tu ne dois pas te concentrer sur ses défauts. Mais te concentrer sur ses qualités. Et prier le Seigneur afin que ses défauts changent. Afin qu'elle change de personnalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle peut t'irriter. Cela peut arriver. C'est une personne. Mais la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Alléluia. On ne te dit pas de l'aimer parce qu'elle est la plus belle du monde. On ne te dit pas de l'aimer parce qu'elle est la meilleure des femmes. Mais la Bible dit de l'aimer, de trouver la force en toi-même de pouvoir l'aimer. Mais comment l'aimer si tu regardes ses défauts? Alléluia. Ne fais jamais de comparaison entre la femme de Y avec ta femme. Une autre chose. Et puis, vous devez être discret dans votre couple. La Bible dit que les deux formeront une seule chair. Alléluia.
On dit ne seront plus un, ils seront plus deux, pardon, mais une seule chair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, M. Timothée égale à Madame Guy, Madame Lilia. Ça, vous êtes la même personne. On vous donne le même nom lorsque vous partez à la mairie. Donc si Timothée se lève pour aller parler de sa femme quelque part, sans le savoir, il parle de lui-même. Parce que si tu parles de ton mari dehors, de ta femme dehors, et que derrière toi, elle s'est repentie, tu reviens, c'est une nouvelle femme que tu trouves. Celui qui a entendu là, il va avoir l'image d'une mauvaise femme. Et cette image va refléter sur toi. Voici le monsieur, ou bien voici la femme qui a marié un mauvais type, un voleur. Alléluia. Alléluia. Et le dernier conseil. Vous savez, les gens échouent comme les ancêtres. Amen. Mais je crois personnellement qu'en Christ, on ne peut pas échouer. Il est impossible d'échouer. Vous savez pourquoi l'Église échoue? L'Église échoue parce que on a le meilleur livre qui est la parole de Dieu. Moi, je faisais, comment on appelle ça, une région qu'on appelle Oudou. C'est comme Vaudou, mais c'est pour les Blancs. Et puis on cherchait, il y a un grand prêtre qui dit non, le meilleur, quel est le meilleur livre de magie? Et il répond pour dire que le meilleur livre de magie, le grand chef, il dit le meilleur livre de magie, là, c'est la Bible. Alléluia. Je suis né et j'ai grandi dans une famille rosicrucienne. Je ne dis pas que je suis allé visiter, j'étais dedans. Amen. Et ils ont tous reconnu que le meilleur livre, quand tu rentres dans un sanctuaire rosicrucien, tu vois la photo de Christ et la croix. Seulement qu'il n'appelle pas Seigneur, il appelle grand maître. Nous avons pratiqué pendant des années. Alléluia. Mais quand on a tourné, on s'est rendu compte que le meilleur livre, c'est la Bible. La parole de Dieu. Ce qui doit régir votre couple, c'est la compréhension de la parole et sa mise en pratique. Si vous faites de la parole le socle de votre couple, bien-aimé, vous n'allez pas avoir de problème. Amen. Vous n'allez pas avoir de problème. Première chose, la parole. La Bible dit, celui qui écoute mes paroles, qui les met en pratique, est comme un homme prudent qui a construit, qui a creusé sur le sable et qui a posé sa maison. Le vent vient. Le vent qui est dans vos foyers, c'est sûr, les sorciers vont vous attaquer, calotte, ça va venir. Mais si tu es bâti sur quel rang? Si vous êtes fondé dans la parole. La Bible dit, le vent vient. La maison est là, enracinée. La tempête. La maison est enracinée. Il y en a qui prient, Seigneur, je n'ai pas de persécution. Tu as déjà échoué dans ta vie, mon frère. Ou bien ma soeur. Alléluia. Première chose, la parole. Dernier conseil, la prière. Alléluia. Je vous exhorte à ne pas compter sur l'argent que vous avez forcément en banque. C'est utile pour vous. Mais voyez Dieu comme étant votre source. Même le travail que tu as là. C'est par la volonté de Dieu que tu as ce travail. La vie que nous avons, je ne me souviens pas qu'il y a lui a donné 100 000 à Dieu pour dire demain il doit vivre, tiens les 100 000 et puis laisse-moi vivre. C'était gratuit. Je suis allé dormir, je me suis réveillé, c'est pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est une affaire de grâce. La source, c'est Dieu. Dieu doit être quoi? Votre source. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous debout. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont parler après? Alléluia. Prophétise sur les couples. La Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Shabra ha ha ha. Shabra kata ba ha ha. Shakata brakate ha ha. Shakata rabagege ze ha. Brege sokoto rekete brakata. Les lumières que tu envoies dans la vie de la personne. Ayez l'habitude de dire les bonnes paroles sur nous, sur nos enfants, pour avoir les bonnes entités dans le monde. Mamorado sopre que to chapahamos. Rapa shakata bragado sapra indo sopra que desse. Mau sheke te brako mahandos que brahamos sopre que chapa. Reke brako makatu braki tabahando sopre que sos. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute force familiale qui avait vaincu vos parents, vos ancêtres, dans le célibat, je déclare que cette foi soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute alliance qui interdisait le mariage, les choses s'accélèrent dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout
Nazareth, je prophétise la multiplication, la fécondité, la faveur royale. La Bible dit deux valent mieux que un, car ils tirent un bon salaire de leur travail. Au nom de Jésus-Christ, tirez un bon salaire de votre travail. À compter d'aujourd'hui même, que tout ce que vous avez entrepris, cela soit fertile, cela soit fécond. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur la vie de ton fils guéri, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la santé soit son partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la santé soit son partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me dit, comme il a commencé avec toi, avec un prémisse, comme c'est le prémisse de plusieurs personnes, c'est le prémisse de plusieurs frères. Et Didier, le temps bien sûr que nos mariés vont se rasseoir. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir le buffet et je m'envoie comme ça vous donner le menu. Alors pour le menu, nous avons le président et sa première dame. Voilà. Yeah, ouais. Voilà. Yeah. Ha. Donc ils vont vous transiter de quelque part dans ça, mais non. Quand amour s'est manifesté, quand amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, quand amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour ton type de fait, me voici Seigneur. Oh,
Thank you.
Batterie, on a un danseur qui arrive.